Mariama Kaba, bonjour, oui, bienvenue bonjour. Au Salon du Livre à Palexpo. Vous nous avez rendu visite, on est ravis de passer un moment avec vous. Vous venez nous présenter votre dernier ouvrage qui s'appelle « Une histoire de l'orthopédie ». Magnifique livre, noir et blanc, superbe, une couverture incroyable et surtout un contenu encore plus incroyable. Et vous allez nous en parler, puisque vous êtes là pour nous en parler. Ceci, c'est votre deuxième ouvrage. Oui. D'accord. Quel est votre premier ouvrage ? Alors, j'avais fait un livre sur l'histoire de la Fondation Clairbois, qui est la fondation pionnière à Genève pour s'occuper des personnes avec des polyhandicaps ou handicaps lourds. D'accord. Et pourquoi ces sujets ? Alors, en fait, je suis historienne de la médecine et historienne du handicap. J'ai fait une thèse de doctorat à l'Université de Lausanne sur l'histoire du handicap, l'histoire du corps handicapé. Et en même temps, je me suis aussi spécialisée en histoire de la médecine et de la santé. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le chemin de l'histoire dans le cadre du secteur de la médecine ? Vous aviez, j'imagine, plusieurs choix. Pourquoi celui-là ? Alors, je suis une passionnée de l'histoire de façon générale, histoire sociale, etc. Et puis, il y avait un diplôme d'études approfondies à l'Université de Genève qui était en histoire de la médecine et de la santé. D'accord. Et c'était un peu le seul diplôme en histoire qui était proposé. Donc, je me suis lancée là-dedans, ça m'intéressait. Tout m'intéressait, en fait. D'accord. Et je suis allée là-dedans. Il faut savoir que ce livre, Une histoire de l'orthopédie, que l'on voit ici, a donc gagné le prix international de New York qui s'appelle Certificate d'Excellence à New York. De typographie, hein, donc, et en plus est nominé au European Design Awards 2019. Donc, oui. Nominé. Oui. Donc, c'est incroyable ce chemin, en fait, en deux livres. Hein. Est-ce que le premier a ce format également ou Non, alors là, c'est vraiment lié au travail du concepteur graphiste. D'accord. Qui s'appelle Aris Zenone et qui a conçu, en fait, le graphisme de cet ouvrage. On a collaboré pour que le fond et la forme collent, mais c'est vraiment lui qui a conçu le graphisme. Dites-nous une chose, si on achète votre livre, qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur ? À part des magnifiques photos, j'ai vu des dessins, oui, et du texte encore plus intéressant, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter ? Alors, ce livre, il raconte en fait l'histoire de l'orthopédie, mais pas seulement, c'est l'histoire d'une institution qui, à la fin du 19e siècle, était créée pour l'ensemble de la Suisse romande. Et en fait, je raconte tout le déroulement de cette histoire, près de 140 ans, de cette histoire d'institution qui, il y a 10 ans, a été finalement, est devenue d'une institution privée à une institution publique. Et puis, je mets ça dans un contexte international, donc aussi l'histoire de l'orthopédie, l'histoire de l'évolution des malades aussi, concernée des enfants aux adultes, l'histoire aussi de la politique de santé vaudoise, suisse et internationale, en lien avec l'histoire de la médecine et de la santé et de l'orthopédie. Vous êtes donc suisse, genevoise. Oui. Est-ce que vous avez eu envie ou vous avez dû interviewer des médecins autour de ça, des spécialistes de l'orthopédie ? Oui, exactement. Donc le livre, c'est à la fois un travail sur les sources, donc sources écrites, et puis un travail aussi sur, avec des témoins. D'accord. Je suis allée interviewer une quinzaine de personnes, des médecins, des professionnels de la santé, une patiente aussi, ergothérapeute, des industriels orthopédistes. Donc vraiment pour avoir un large panel de personnes concernées par l'histoire de la médecine, enfin concernées par la médecine et la santé dans le contexte de cette institution. Le secteur de la médecine est vaste. Pourquoi l'orthopédie ? Alors ça, c'était un mandat. C'était l'association de l'hôpital orthopédique de la Suisse romande qui a voulu qu'on valorise les archives de cette institution. Et le CHUV aussi l'a voulu parce que l'hôpital orthopédique se trouve donc maintenant intégré dans le CHUV. Et dans les combles, il y avait toutes les archives depuis la création, depuis 1876. Et c'est très rare d'avoir ce type d'archives encore actuellement parce que soit elles disparaissent, elles brûlent, les médecins les emportent avec eux, etc. Donc c'était vraiment un peu, il fallait valoriser ce matériau. D'accord. Mariama Kaba, donc, une histoire de l'orthopédie. Donc, voilà donc, votre dernier ouvrage, magnifique. Hein. Merci. On laissera les lecteurs aviser, le découvrir de l'intérieur. Oui. Et on vous remercie infiniment de partager ce moment avec nous. On vous souhaite évidemment plein succès pour la suite. Merci. Et puis, on se revoit bientôt. Oui, volontiers. Merci. Au revoir.